Bonjour à tous et bonjour à toutes, ou plutôt rebonjour à tous et rebonjour à toutes, bienvenue pour un breaking news, un breaking news qui malheureusement va faire de la peine à beaucoup de joueurs car c'est officiel. Hogwarts Legacy est dorénavant repoussé à 2023. Le jeu qui avait été notamment eh bien, annoncé pour fin 2022 durant les vacances 2022 a été repoussé officiellement il y a maintenant quelques secondes sur le compte Twitter officiel de Warner Bros. France, vous le voyez, au 10 février 2023. C'est une décision qui, à mon sens, est une bonne chose, déjà parce qu'on avait vu beaucoup de gameplay sur Hogwarts Legacy mais c'est également une bonne idée parce qu'au final il serait sorti dans une période un petit peu problématique dans le sens où il y avait énormément de sorties de jeux qui sont prévues entre septembre et décembre que ce soit sur Nintendo Switch ou sur toutes les autres plateformes que ce soit et bien du God of War que ce soit le prochain Pokémon que ce soit et bien je ne sais pas tous les titres Nintendo Switch, il y a beaucoup de titres Nintendo Switch qui débarquent sur cette fin d'année et surtout des titres playstation 5 ça aurait été un petit peu problématique pour s'assurer un dans les meilleures conditions évidemment le jeu sortira le 23 euh, le 10 février pardon 2023 il sortira donc sur playstation xbox et pc conjointement à la même date et la version Nintendo Switch sera annoncée bientôt. C'est d'ailleurs Warner Bros. qui le précise sur son tweet que vous voyez sur le côté de l'écran. La date de sortie sur Nintendo Switch sera bientôt révélée. Nous n'avons donc toujours pas de date pour la version Nintendo Switch. En revanche, ce qu'on sait pour cette version nomade de la Nintendo Switch, c'est que ça ne sera pas une version cloud, c'est-à-dire que c'est pas une version qui va tourner en dématérialisé via un serveur comme on l'a eu notamment eh bien euh, sur Control ou alors sur Resident Evil Village, euh, non Resident Evil 7 pardon ou encore une fois Assassin's Creed Odyssey du côté du Japon. Non, on aura une version boîte avec une cartouche. Apparemment, le jeu aurait été optimisé pour la console. On verra si le travail qui a été effectué a été suffisant. Quoi qu'il en soit, c'est quand même une bonne nouvelle pour les joueurs Switch, même si on n'aura pas forcément la même date de sortie. En général, quand on précise ce genre de choses, c'est que le jeu a besoin d'être peaufiné. Donc, pour la Nintendo Switch, pas en même temps. Je ne pense pas, en tout cas. Et pour les autres plateformes, eh bien, le 10 février 2023. Alors, quand je vous le disais, c'est une mauvaise nouvelle pour la date de sortie, parce qu'on attendait énormément sur cette fin d'année 2022, sachant qu'on a eu énormément de leaks. Pour petit rappel. La version, euh, la version va débarquer avec une version normale, une version euh, limitée et une version collector. Dans la version collector, on retrouvera notamment une baguette et une boîte euh, en métal. Donc on a déjà eu pas mal d'informations là-dessus avec une cape de sorcier supplémentaire. Malheureusement, eh bien, ça sera pour début 2023. Et cette petite news, elle est là pour ceux qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux et pour ceux qui, encore une fois, eh bien, ne pouvaient pas accéder à cette info. Bref, vous le savez, sur la chaîne, on traite toutes les actualités en Breaking News ou alors en Gaming News tous les matins. C'est ce qui clôture cette semaine d'actualités. Il y a encore d'autres vidéos qui sont prévues sur la chaîne. Je suis notamment en train eh bien, de finir de tester Spider-Man sur ma Steam Deck qui est juste là. Ça devrait débarquer euh, soit aujourd'hui soit demain matin. Je ne sais pas encore, sachant qu'on est déjà beaucoup de vidéos aujourd'hui. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo Breaking News vous a intéressé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bon courage à la team de développement qui est en train de bosser dessus parce que ce qu'on s'est reporté, un. Je je pense que c'est une histoire de date, mais surtout une histoire de développement. Il y a besoin d'un peu plus de temps, je pense, puisque comme ils l'ont dit, euh, encore une fois sur... Euh, c'est pas, pas ça que je voulais faire. Euh, comme ils l'ont dit, notamment ici, sur le tweet qui va réapparaître, euh, c'est histoire d'avoir la meilleure expérience de jeu possible. Donc, forcément, il y a une histoire de développement. Euh, de ce côté-là, même si on m'enlèvera pas de l'idée, que c'est surtout pour éviter le gros rush de fin d'année. Mais bon, ça c'est mon opinion euh, là-dessus. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, sortez couvert. c'était UMB. salut salut